Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Candy Craft avec du mouvement, avec de la nouveauté. Il s'est passé des choses depuis le dernier épisode. Hop et hop. Voilà, je me suis enfin fait une maison. Et encore, hein, et encore, c'est loin d'être terminé. Il y a 2-3 trucs qu'il faut que je regarde parce que il n'y a pas de sable dans le monde de Candy Craft. Et du coup, concernant les vitres, il doit y avoir une manière spécifique de le faire. Et au niveau du sol, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. En tout cas, c'est pas un palace, mais il y a assez d'espace, je pense, pour pouvoir ranger un peu mon matos, etc. Et dans le pire des cas, je pourrais agrandir la maison en partant dans le sous-sol. En tout cas, voilà un petit peu ce que ça donne. Une deuxième ouverture derrière pour aller voir nos amis, les animaux. Assez d'espace, assez, c'est assez, comment dirais-je, ouvert sur l'extérieur. Juste ici, ensuite, hop, un petit étage, histoire que je puisse mettre des choses supplémentaires, mon lit, etc. Et comme un balcon, un petit balcon qui me permet du coup d'avoir une vue assez sympa sur l'extérieur. Donc voilà, j'en suis content, je me suis pas trop pourri non plus au niveau des ressources, hein. J'ai fait ça full bois parce que j'avais pas forcément envie non plus de passer 5 heures à aller récupérer des ressources, et selon les ressources c'est plus ou moins long, hein, tout de même, hein. Et juste une chose, comment on fait les, je crois que c'est ça, caramel glace. Il faut faire fondre du caramel bloc, et le caramel bloc s'obtient grâce à des blocs de sucre. Ah ouais, donc en gros, pour avoir des blocs de glace, c'est pas si simple que ça, parce que les blocs de sucre, il me faut beaucoup beaucoup de sucre. Bon, hein, pourquoi pas, à la limite c'est pas trop grave, hein, ça me dérange pas. Donc du coup, depuis la dernière fois, j'ai pas mal avancé sur tout ça. Je suis parti pas mal miner, donc j'ai des jelly or qui sont juste ici. J'ai trouvé du pèz, donc j'en ai 29, pas plus que ça. Hein. Bon, après, c'est déjà bon, pas si mal que ça, on va dire. Et il y a un truc que j'aimerais tester. Non, il n'y a pas de sucre ici, là non plus. Il y en a ici. Suite au dernier épisode, j'ai eu des retours de votre part concernant 2-3 petites choses qui seraient intéressantes d'essayer. Et je voudrais regarder. Donc on va regarder tout de suite. Donc on m'a dit déjà, première chose, que les saplings, vu qu'il n'y a pas de bonne mille, peut-être qu'avec le sucre, on peut accélérer. Non. Non, non, non. Donc ça ne marche pas. Donc c'était une proposition qu'on m'avait faite d'essayer de voir du coup si on pouvait pas accélérer du coup la pousse des saplings grâce au sucre, comme le sucre est la base de tout dans ce mode. Mais ça ne fonctionne pas, malheureusement. Et le dernier truc qu'on m'a dit, le Gummy Ball, je me suis demandé un peu à quoi ça servait, vu qu'on pouvait le lancer. Donc on va essayer ça ensemble, et il semblerait que les Gummy Balls, si je les lance sur les Valve Paca, ça va me donner... A mon avis, je l'ai raté. Ok, et il semblerait que ça me donne des nuggets sans que le Valve Paca prenne des dégâts. Hein, il a rien lâché, alors après c'est pas systématique, hein, le loot. Alors, tu veux bien me donner... Ouais, c'est pas grave, hein, on va y aller, hein, au pire après j'irai en farmer. Tiens. Non. Tiens. Ouais. Je sais pas, je peux bien... Alors je peux les lancer, et ça leur fait un effet particulier. Oups, petit lag. Mais j'ai pas de nuggets qui sont lootés, donc il faudrait que j'essaye. Hein. Alors soit il y a un côté aléatoire vraiment dégueulasse. Ah, il me donne rien. Ouais. Il a pas l'air de me donner quoi que ce soit, l'ami Valve Paca là. Hein. Donc bon, à la limite, je réessayerai. Oh purée, je sais pas s'il est en train de générer quelque chose ou pas, mais je suis en train d'en chier là. En train de laguer un petit peu. Bref, alors, on va poser ça. Donc, merci pour les commentaires. Je referai des tests, mais il semblerait que ça n'a pas forcément l'air de fonctionner, là. Donc, il y a peut-être un truc. En tout cas, merci pour les infos et les commentaires, c'est cool.
Ça permet de d'avancer sur ces trucs-là. Alors, il y a un truc qu'on peut faire déjà, ça va permettre un petit peu d'avancer et d'apprendre un peu comment fonctionne le mode. Dans le Trading Time, Transform Chocolate to Chocolate Coin. Alors, il semblerait que, hop, ces achievements sont importants. Parce que ça permet vraiment du coup de savoir comment évoluer dans le jeu. Un chocolate block dans le Sugar Factory. Chocolate cobblestone. Ok. Donc, on va balancer ça dans un four. Hop. Tac. Tac. Alors normalement, les pièces de chocolat, normalement, ça devrait me servir pour faire des échanges avec des PNJ. Il est censé y avoir des PNJ dans ce mode-là. Donc c'est important parce que ce qui va se passer, c'est que ces pièces que je vais pouvoir récupérer, les PNJ vont forcément proposer des trades, à mon avis, qui vont être sympathiques et qui vont permettre de pas mal avancer. Donc je pense que c'est une mécanique du jeu qui est quand même relativement importante. En tout cas, dans l'immédiat, voilà, on l'a eu, le petit achievement, et je ne peux rien faire d'autre avec. En tout cas, c'est bon à savoir, il faut qu'on le garde dans un coin de notre tête, comme ça, du coup, quand j'arriverai à trouver un village de PNJ, selon les trades qu'il y a, il faudra que... Pardon, il faudra que je bourrine un petit peu les trades à mon avis. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, du coup, ça permet vraiment d'apprendre à connaître le mode. Donc, ok. Ok pour les pièces en chocolat qui ne se mangent pas, du coup, mais qui servent à trade. Hop. Une épée de rechange que l'on va ranger. Très bien. Et du coup, en termes d'évolution, donc là, ici, il faut que je tue un premier boss de disponible. Il y a un deuxième boss ici. De disponible aussi. Ce qui m'intéresserait, ce serait d'essayer le fork, donc une fourchette. En plus, dans les commentaires, vous avez été quelques-uns à me dire qu'il y a des choses assez sympas à faire avec ce truc-là. Et assez importantes. Donc, il va falloir que je regarde. Smelt Jelly Ore. Donc ça, hop, on va en smelting, n'est-ce pas? Parce que c'est censé être assez utile. Et pendant ce temps-là, on va regarder du coup. Parce que normalement, avec une fourchette, je ne suis censé ne plus être en galère de bouffe. Et donc, il y avait deux possibilités. J'ai pas d'iron, mais le Pest Dust, j'en ai. Ok. Et bah écoutez, hein, on va voir ça. Hein. Tac. Ah non, c'est du sucre. J'ai essayé de le feinter. Hein. Ah, avec un de pèse, ça me donne 9 dust. Et je peux faire quoi avec la dust? Refaire du pèse, une fourchette, un seau ou des ciseaux. Intéressant. Je sais pas si du coup les ciseaux me permettent de tondre entre guillemets les valves paca là. Ça pourrait être intéressant. De voir pour pouvoir récupérer leurs nuggets sans les taper et leur faire de dégâts. Mais il faudrait que je vois ça. Breakdown with Devourer Enchantment. Ah, j'ai pas d'enchantement. Et il semblerait que c'est ce qu'on m'avait dit dans les commentaires. Grâce en fait à l'enchantement Devourer, ça permet de manger du coup carrément en gros l'équivalent des blocs de dirt, ce qui est pas mal. Planter des dragibus. Ouh. Culture de dragibus. Alors ça par contre. C'est ultra, mais ultra intéressant. Alors, on va virer ça. Tac, on va faire un petit peu de place. Histoire qu'on ait une petite culture sympathique. Et puis à la limite, je ferai un petit aménagement un peu plus propre par la suite. Hein. Voilà. Ça sera enlevé. Ouais, j'ai déjà un peu d'espace. Pas besoin d'en avoir de trop non plus. Alors, j'ai pas mal regardé vos commentaires. Hein. Vous êtes quelques-uns à m'avoir conseillé 2-3 choses. Donc quand je serai un peu plus avancé sur le mode, je pense qu'on regardera tout ça ensemble parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs vraiment cool à faire. Ok. D'accord, donc ça c'est intéressant. On va pouvoir faire de la culture de dragibus. Et franchement, ça cartonne ça. Hein. Culture de dragibus. Ah par contre, faut pas perdre de temps. Hop. Tac-tac. Ah, et j'en ai plus. Et est-ce que le sucre fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Tant pis, donc on va le laisser pousser. Par contre, le gros avantage avec ça, on va mettre un peu d'éclairage là. Tac. Et tac. Voilà, je ferai un enclos un peu plus propre par la suite. Mais le gros avantage avec ça, c'est que j'ai plus trop à galérer à chercher dans les herbes là. Enfin, pas dans les herbes, mais dans les sweet grass. Si, c'est de l'herbe. À récupérer des dragibus en masse, parce que là, pour le coup,
je vais pouvoir en faire une culture. Et ça, franchement, ça déboîte. Je suis content d'avoir. Hop. On va mettre quelques torches. Ça manque. J'ai des petits frises là, je sais pas à quoi c'est dû parce que jusqu'à maintenant j'ai pas eu de soucis comme ça. Ouh. Alors attendez, je regarde. Ouais. Ouais, j'ai un petit souci. Je relance la session les amis parce que là le Candy Craft a l'air d'avoir un petit peu de mal. À toute. Re les amis. Ok, c'est bon. J'ai relancé Candy Craft. Je vais faire passer la nuit pour ne pas avoir de mauvaises surprises hein, parce qu'on connaît les mobs ici. Ils sont assez hardcore. Donc autant éviter de se faire surprendre, comme ça nous est déjà arrivé de nombreuses fois. Et donc, comme je disais, on a du coup notre plantation ici de Dragibus. Donc ça c'est parfait. J'ai regardé rapidement la prochaine étape au niveau des plantations, c'est plantation de lollipops. Donc ce sont des sucettes. Et pour l'instant j'en ai pas. J'en ai pas, donc je sais pas trop où est-ce que je peux récupérer ça. Let's jump! Oh! What? Non, 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 non! Oh! Ah, oh, purée! Ok. J'ai failli y passer. Ok. Donc les trampogélies, c'est pratique. Mais c'est plutôt dangereux, hein. J'ai failli crever, quoi. Ouh! C'est du slime block évolué, hein. C'est assez puissant quand même. Hein. Et on peut les faire évoluer. Red Trampogélie. Ok, pour l'instant ça m'a plutôt fait flipper quand même. Hein. Ah, il suffit de recuire, donc en gros. Donc ça on va l'enlever. Je remets ça dedans, ça va me permettre d'avoir du coup une couleur différente, très bien. Bon, pour l'instant tout ça je vais le ranger, on va pas s'embêter avec. Clac, clac, clac. Alors ça je vais le garder parce que ça me permet de crafter des cookies et les cookies c'est la vie. Pan, nice. Ça on range. C'est bon, tu me l'as eu. Red Trampogélie. Ok. L'achievement c'est pas débloqué par contre. Smelt à Red Trampogélie. Ah il faut le smelt. Attends parce que le rouge c'est il y a encore un autre truc derrière. Ah ouais. Ok, il y a Trampogélie et après il y a Absorbeur. Donc à mon avis... Ouh, shit! Advanced Sugar Factory, d'accord. Ok, ça m'a l'air d'être un item assez important. On va le cuire et ce genre d'item, ce que je ferai, c'est que je jouerai après, je pense, un petit peu, entre guillemets, en off pour voir un peu ce que ça donne. Alors le pèse, j'ai pas envie de l'embarquer. Mais il semblerait qu'on puisse faire quand même des choses assez sympathiques avec tout ça. En tout cas, ça va me servir à faire évoluer les Sugar Factory que j'ai juste ici. Donc je suppose qu'il doit y avoir une influence en termes de... Je peux faire quelque chose avec ça ou pas? Oh! Et comment je l'obtiens le Sugar Crystal? Il y a 2-3 trucs que je sais pas comment ça fonctionne là. Clairement là le sugar crystal, je sais pas comment on le craft. J'ai pas l'impression de pouvoir le crafter. En tout cas c'est censé me faire des boots spécifiques. Mais ouais. Aucune idée malheureusement de comment on l'utilise. Bon. Ouh. Non, c'est bon, ça va. Le mode a l'air d'avoir un petit peu de mal. Alors, fork, on va le laisser. Donc ce qu'on va faire c'est que de toute façon moi je vais laisser pousser tout ça bien gentiment. La maison a déjà bien avancé, hein, même s'il va falloir que j'avance encore un peu plus. Et on va continuer à se balader encore un petit peu dans ce monde de Candy Craft les amis parce que j'ai trouvé 2-3 petites choses. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à retrouver une Jelly Queen. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il y a une canne à pêche ou pas dans ce mode là? Donc la Jelly Queen, je pense qu'on va attendre que ce soit un peu mieux stuffé quand même pour aller lui rendre visite. Canne à pêche, canne à pêche. Il y a une canne à pêche ou pas? Dragibus on a stick. Fishing rod. Ah ouais, mais les strings, je les obtiens comment? Ah! Et lollipop, je peux pas les crafter non plus. Bon, ça se confirme hein, sur différentes choses. Déjà, la canne à pêche, je suis censé pouvoir mettre des dragibus au bout. Mais les strings, je peux pas les crafter. Donc, je sais pas comment je peux l'obtenir. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire. Hein.
Et les lollipops, je peux pas les crafter non plus. Bon. C'est pas trop grave, écoutez, hein, on va voir ça, on verra ça un peu plus tard. Le nougat, j'en ai pas. Ah si, j'en ai trouvé, ouais. Ok. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre, du coup. Est-ce que j'ai. Ouais, dans le pire des cas, je peux prendre ça comme bouffe. Et au pire, en chemin, je déglingue les cochons que je croise. On va faire ça. J'ai 2-3 trucs à voir avec vous. Parce que je suis passé pas très loin. J'ai vu de loin qu'il y avait des choses intéressantes. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de l'explorer ensemble. Notamment un biome. Et j'ai trouvé un truc aussi dans un fond marin. Donc ce que je fais, c'est que je commence à me rendre dans le lieu voulu. Et on se retrouve du coup tout de suite pour découvrir ça ensemble. Nous y voilà. On y arrive les amis, ça y est. Tiens, d'ailleurs ça au passage, je vais le prendre. Il y a l'un d'entre vous qui m'a dit que c'était super utile les Golden Sugar Flower. Et voilà le fameux biome en question. Et on se retrouve avec des Ice Cream Pingouins. Alors je sais pas si... Ils sont passifs, hein, ça c'est clair. Je pensais qu'il est allé prendre en main. Ouh les cochons, ça je vais les déglinguer. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il donne de l'XP, mais j'ai pas eu d'item. Les cochons, par contre, dès que j'en trouve en chemin, je me prive pas. Parce que ça me permet d'avoir à bouffer. Ah, par contre, vous avez vu, faut être au taquet pour les attraper. Hein, parce que c'est une saleté. Ça trace. Ça trace, ça trace. Bim! Non, non, non. Yes. Allez, on va manger un morceau. J'ai pas l'impression que ça serve à grand-chose, en fait, de tuer les pingouins. Mais j'en ai tué qu'un seul en même temps. Vas-y, donne un petit item, non? Non, il m'a rien lâché, donc... Ouais, je suis pas convaincu. Bon, les petites gummy balls, ça peut toujours être pratique. Au pire, je reviendrai ici farmer un petit peu les gummy balls, hein. Si vraiment ça fonctionne. Mais après, même si ça fonctionne contre les Valfpaka, le taux de drop a l'air d'être super faible. Il a une cape? On a trouvé Super Pingouin! Ok. En tout cas... Je vois que là-bas, il y a une petite fleur dorée, donc on va la récupérer. Alors, dans un commentaire, il y a l'un d'entre vous qui m'a dit qu'il fallait que j'en mette combien? 16 de côté, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que dès que j'en ai, je vais les récupérer. Et donc, voilà la petite structure dont je vous parlais. Mais en attendant, lâche tes nuggets. Ouais, mais même à la main, j'en récupère pas tant que ça. Hein, parce que sur... Ah si, j'en ai eu 4 quand même, hein. C'est pas si mal que ça. Donc je vais les récupérer parce que clairement je reviendrai pas forcément ici hein, pour être honnête. Hop. Et ça me permet d'avoir un peu de bouffe. Même si j'espère quand même que la petite ferme traditionnelle à Dragibus va être assez performante. Ça serait cool. Parce que les Dragibus je peux m'en servir mais ça peut me donner à bouffer aussi. Hein, donc ce serait plutôt une bonne chose. Alors clac. 20 nuggets. Super. On s'occupe de lui. Et puis on va aller regarder du coup cette... Cette structure pour voir à quoi elle sert. Par contre, il s'est pris des gros dégâts de chute. C'est pas ultra rentable, mais c'est pas grave. Hop! Voilà, merci. Je vais pouvoir me faire des gaufres. Et ça, c'est cool. En tout cas, là, il y a des blocs. Des blocs de couleurs. Strawberry ice cream. Ok. Est-ce que je peux les... Avec une pelle? Oh, ça a l'air galère. Non. Ça a l'air ultra long à récupérer. Ah, et je le casse. Merde. Ouais, alors c'est exactement les mêmes blocs, à part qu'ils ont une couleur différente. Le problème, c'est que je les casse, c'est pas cool. À l'intérieur, il n'y a rien du tout, ouais. Non. Rien du tout. Hop, on va péter ce truc-là. Alors c'est une petite mini-structure, il n'y a pas de mob spawner. Par contre, voilà notre récompense. Ça, c'est cool. Alors, 10 pèzes, ça c'est cool parce que sur la grosse session minage que j'ai faite, j'en avais pas eu des masses. Ça, ok. Ça, ok. Là-dessus, il n'y a pas des méga grosses coupes, mais ça me permet de récupérer un seau. Ah, des blocs de sucre. Ça c'est cool parce que je vous rappelle que les blocs de sucre me permettent pardon, de faire du caramel. Et le caramel, c'est ce qui me permet de faire les vitres. Assez chiant quand même, hein.
Alors, Waffle Nugget, super. Et alors là, j'ai Honey Emblem. Vous permet d'entendre les voix sous terre. Il y a 20 emblèmes pour commencer la fin du monde. Work in progress. Ah, dommage. Alors ça, c'est un truc qui n'est pas encore débloqué. Par contre, clairement, si cette petite série détente vous plaît, les amis, très clairement, si le jour où le mode sera mis à jour, on pourra envisager faire une petite saison 2, ça pourrait être sympa, je pense. Et j'ai récupéré alors des marshmallow flowers, c'est cool. Alors j'ai pas faim, sinon j'aurais testé de le bouffer, mais il n'y a pas de craft en fait. Il n'y a pas de craft. Je sais pas à quoi ça sert ce truc-là. Est-ce que je peux... Il fait nuit, ça pue. Je peux pas le poser. Les pingouins, tu manges? Tiens. Oh! Regardez! Énorme! Blueberry ice cream block. Excellent! En fait, il est violet, donc il me donne des blocs violets. Voilà à quoi ils servent, les pingouins. Tiens. Excellent! Lui, il me donne du rose. Ok, donc voilà à quoi ça sert. Eh, nice! Eh, du coup, j'ai peut-être une idée pour le pattern de chez moi, hein. Mint ice cream. Ça sert à quelque chose ces blocs-là? Ah! Ça c'est cool. On peut faire des escaliers et des dalles. Bon écoutez, on a découvert un truc bien sympathique. Ouais, c'est la même chose pour tous les blocs. Donc tous les blocs ont des dérivés en fait. Donc en gros, les marshmallow flowers, j'ai l'impression, hein, qu'en tout cas, ça ne se crafte pas. Et que la seule utilité, c'est de donner du coup les marshmallow flowers aux petits pingouins. Et ça permet d'avoir des blocs. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est que du coup, j'ai tué le super pingouin. Le super pingouin avec une cape. Parce que je serais curieux de savoir ce qu'il me donne. Voilà. Paye ton cookie. Pas de pingouin avec deux capes. Merde, j'aurais peut-être pas dû le tuer, hein, le super pingouin avec une cape là. Ah. Il était glitché le bordel. J'aurais peut-être pas dû le tuer. En plus, il fait nuit, donc ça va pas être super safe. Bon, éventuellement, il faudrait que je revienne. Je vais garder les autres marshmallow flowers que j'ai, mais ça voudrait dire qu'éventuellement, il faudrait que je revienne ici, du coup, ou qu'on aille un petit peu plus loin. On va essayer de regarder rapidement. J'espère qu'il n'y a pas un super pingouin par biome, parce que. Je sais pas ce qu'il était censé me donner. Je sais pas s'il y a une différence, hein, pour le coup. Oh! Oh! Il y a une île volante. Nice! Alors, l'île volante, je crois que c'est pour un boss. Donc, on va pas s'aventurer tout de suite. Si on n'a pas un meilleur stuff. Mais en tout cas, déjà... Oh, merde! Je l'aime pas, lui, là-bas. Cassos! Mais en tout cas, je pense qu'on reviendra ici pour taper le boss. Donc ça, c'est cool. Et pas de super pingouin. Donc écoutez, j'espère que je ne vais pas oublier la prochaine fois de tester le truc. Bon, sinon, tant pis, hein, on va pas non plus se pourrir pour ça. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à le balancer dans les coms. Ça permettrait de savoir du coup si ça vaut vraiment le coup d'essayer de retrouver un pingouin avec une cape ou si c'est complètement useless. Hein. Parce qu'on va pas s'embêter. Hein. Bref, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une île volante juste au-dessus. Et comme je vous le dis, normalement, il y a un boss. Et je pense que d'ici le prochain EP, ça peut valoir le coup de travailler un petit peu le côté enchant et tout ça de Candycraft. Pan! Et comme ça, éventuellement, essayer de faire un boss la prochaine fois. Cool! J'ai un autre petit truc à vous montrer que j'avais découvert. Donc, je me rends de ce pas vers le lieu concerné. Ouais, laisse-moi, toi. Et on se retrouve de suite. Pourquoi j'ai tué le pingouin? Voilà, j'ai été méchant, ça a pas été rentable. Pouh. Nous voilà pour la suite des aventures, les amis. Et donc, voilà ce dont je parlais, regardez ça. Donc on le voit assez bien du bord quand on se balade, grâce à la lumière qu'il y a là. Et donc il y a une structure sous-marine. Alors je sais pas si c'est un donjon sous-marin ou comment on peut appeler ça exactement. Mais je le sens bien. Je le sens bien. On va s'y rendre de ce pas. J'espère que la technique Vanilla fonctionne.
Oups. Ah. J'ai eu peur. Allez. Alors j'ai pas de seal touch, donc c'est un peu la merde, c'est un peu du gaspillage. Hop. On va utiliser... Non, pas du sugar block, ça vaut cher ça quand même. Hein. On va utiliser ce bloc là pour refermer ce truc, histoire d'être... Et mince, histoire d'être tranquille. Et de pouvoir faire notre exploration au calme. Voilà. Donc déjà, ce sont des blocs de chocolat. Très bien. Au nez lampe. J'ai peur de... Ah, je peux les récupérer. Pardon. Ça, c'est le bon plan. Ça, je peux pas les récupérer. Il me faudrait une seal touch. Mais je peux récupérer tout ce qui est éclairage. C'est cool. Et donc, un coffre nous attend gentiment. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. J'ai entendu un bruit. C'est quoi ce bruit de fou furieux là? C'est quoi? J'ai rêvé ou... Oh! Regardez! Nessie! Énorme! Alors vu l'icône, c'est censé être un mob passif. Oh, ça déchire! Énorme. Alors franchement, je trouve ça... C'est pas grand-chose, hein, mais je trouve ça vraiment superbe, quoi. Celui-ci... Bah, on l'a déjà. Bon, je vais le prendre. Et Nougat Dynamite. Cool. Cool. Et je peux pas le crafter, j'ai l'impression. Bon, peu importe. On va le récupérer. De toute façon, là, je serais bien chaud pour tester le Nougat Dynamite, mais pas ici, parce que je risque de prendre cher. En dessous, il n'y a rien, donc je vais juste récupérer l'éclairage, parce que pour le coup, pour la maison, ça peut être sympa d'avoir un éclairage un peu différent que les torches à l'ancienne. Hein. À la limite, je verrai pour intégrer ça au niveau du sol, je sais pas trop encore. Hop, ça je prends, et on va faire un petit test de dynamite. Alors par contre, je peux pas faire de briquet, alors je sais pas comment je l'enclenche ce truc-là. On va voir, hein. On va vite être fixé. Pourquoi tu es bloqué? Parce qu'il y a un double courant d'eau. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir celui-là par contre. Donc on va se faire... Hop, échappatoire. Ah, courant de merde. Allez, voilà, cool. Bon, à la limite, je reviendrai ici, bah, récupérer le reste s'il y en a vraiment un intérêt, hein. Oh là là, on voit que dalle. On voit que dalle. Hop. Ok. Il est où le Nessie? Oh non. Elle est partie. Ah, dégoûté. Ah non, elle est là-bas. Oh là là, sans potion quand même, c'est la merde. Hein. Je peux te chevaucher ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Alors après, au niveau de la maison, j'ai une selle, hein, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. En tout cas, là déjà, je voudrais qu'on rejoigne la terre ferme. Et je veux vraiment tester le Nougat Dynamite là. Je sais pas pourquoi je sens. Je le sens bien le truc. Il y a Nougat Dynamite et après il y a Nougat. Non, il y a Chewing-gum Dynamite, je crois. De ce qu'on a vu rapidement. Et avant de se quitter, j'aimerais bien le tester ce truc là. J'aimerais bien le tester. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Le seul truc, c'est que j'espère juste qu'on va pas prendre cher. Hop. Voilà. Parfait. Mais en tout cas, cette petite excursion, elle aura été rentable parce qu'on a trouvé quand même pas mal de choses. Et ça fait plaisir. Allez, on essaye? Quoi? Mais c'est quoi cette arnaque? Comment je fais? Comment je fais? J'arrive pas à l'utiliser. Bon. Alors ça, c'est pas cool, ça, par contre. Le clic droit ne lance pas, le clic gauche, bon, j'ai envie de dire, hein, normal, ça fait le truc standard que l'on connaît tous. Non, je peux pas. Contre un arbre, non. Contre le sol, non. Parce qu'éventuellement, ça peut être quelque chose qu'il faut utiliser contre un bloc, comme les feux d'artifice en vanilla, en fait, hein. Je vois qu'il y a encore quelque chose là-haut. Est-ce qu'on fait les fifous? Le problème, c'est que si c'est un boss, si c'est le même boss qu'il y a dans le biome neige, je risque de prendre cher quand même, hein. Mais je... Franchement, j'aimerais bien aller voir quand même.
Contre les cochons, la dynamite. Tiens. Tiens. Bon, la dynamite fonctionne pas, les amis. Si vous savez, n'hésitez pas, hein, si vous savez comment ça fonctionne, s'il me manque quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qu'il en est, parce que je pense qu'il y a des trucs marrants à faire. Mais je sais pas du tout comment ça marche là, hein. J'en ai pas la moindre idée. On se prend un petit peu de bouffe. Hop. Une sacrée faille juste ici. Oh tiens, regardez, il y a un boss juste là. Bon, j'en avais déjà trouvé un, hein. Alors par contre, le bloc là-bas est quand même super haut. Je sais pas si j'ai assez de blocs. J'aimerais juste aller voir, est-ce que c'est un village de PNJ, est-ce que c'est un boss, je sais pas. Parce que je crois que les villages de PNJ sont en hauteur en fait. Vous savez quoi? Allez, moi je suis comme ça, moi. On y va. J'espère juste qu'on va pas se faire dégommer. Alors par contre, ce qui est pratique, c'est que sur la map, si ça a l'air d'être le gros truc blanc. Ouais. On va voir. Au pire, je noterai les coordonnées de la map pour qu'on puisse y revenir si c'est un boss. Histoire de ne pas avoir non plus de mauvaises surprises. Parce que ça peut nous coûter cher, hein, cette petite excursion en mode YOLO, là. À mon avis, je suis pas du tout préparé à me taper contre un boss. Il me faudrait un stuff full pèse, je pense, parce que c'est en gros les ressources, la ressource ultime. Par contre, c'est vrai qu'avec de la hauteur, là, on voit bien quand même. Tiens, regardez. Il y a un boss ici. Et le Gilly Queen, il y en a juste un autre là. Il y en a deux côte à côte, sachant que moi, celui que j'ai trouvé, il est beaucoup plus proche de la maison quand même. Mais là, du coup, on a moyen de se faire deux boss ici, quoi. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves ? Je suis curieux. Et vous savez ce qu'on dit sur la curiosité? C'est un vilain défaut. Alors, je n'ai plus de bloc. Est-ce que je peux... Ah, il ne t'a pas manqué grand-chose. Par contre, il n'y a pas l'air d'y avoir de boss. Hein. En tout cas, moi, je ne vois rien. J'espère juste que s'il y en a un, le truc va pas me sauter à la figure d'un coup non plus, parce qu'on risque d'être mal. Hop. Y a rien. Par contre, il y a une ferme de Dragibus. Mais c'est génial. Alors, il faudra que je vérifie, du coup, avant d'y aller. Mais avec un peu de chance, les amis, ou pas, justement, l'île que j'ai trouvée au niveau du biome neige n'est pas, du coup, une île à Dragibus. Et... Enfin, c'est peut-être justement une île à Dragibus. Ça sera embêtant parce que j'aimerais bien du coup trouver le boss qui va avec normalement. Mais en tout cas, voilà. On a poussé le vice jusqu'au bout. C'est cool. Parce que là, sincèrement, je vais m'en faire combien? Je suis déjà plus d'un stack. Oh yeah. Et je vais tout ramasser. Hein. Je vais tout ramasser. Sans pitié. Et ensuite, je vais rentrer à la maison parce que j'ai pas mal de choses sur moi. Bon, les Dragibus, il y en a beaucoup qui tombent. Mais très sincèrement... Vu ce que je gagne, c'est vraiment pas un problème. J'ai l'impression que ça, que d'en enlever, mais que ça revient, quoi. C'est vraiment complètement dingue. Bref, j'ai quasiment deux stacks. C'est largement suffisant. On va pas s'embêter. Ce que je vais faire, les amis, c'est que, donc, comme je vous le disais, hein, je vais rentrer à la maison. On a vu pas mal de choses ensemble aujourd'hui, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas... Merci d'avoir regardé, et si vous a plu, n'oubliez pas et n'hésitez pas à laisser un like comme d'hab. Par contre, avec la cobblestone, je peux pas récupérer. Oh, la cobble, je suis blindé, on s'en fout. Bref, moi je continue à descendre en plein quasiment dans le vide. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Candycraft. Allez, salut, ciao ciao.